des modèles actuels tectoniques s'accordent pour dire que l'ouverture d'un océan est associée à une zone de divergence entre deux blocs continentaux. On a alors ces deux blocs qui vont s'éloigner l'un de l'autre et fabriquer de la croûte océanique entre eux. Dans le cas de la formation d'une chaîne de montagne, cet océan a cessé de s'ouvrir. On va observer alors cette partie de ma côte. La croûte océanique commence à s'enfouir dans une zone de subduction. Au cours de cet enfouissement, on observe l'apparition, le volcanisme sur la croûte continentale sous-jacente. Ce mouvement fait alors converger les deux blocs continentaux entre eux, et lorsque la croûte océanique va être complètement résorbée, les deux blocs continentaux s'affrontent. Mais leur densité ne va pas permettre à l'un ou l'autre des blocs de passer en dessous et de disparaître. Ils vont donc entrer en collision, comme on le voit ici, et se déformer pour former la chaîne de montagnes.